T'inquiète, je sais ce que je fais, t'inquiète. Ok. T'es posé sur le live Vanoué. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mmh. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Oh. Bien sûr c'est moi, c'est Speedy. Mmh. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à te branler. Mmh. Les modérateurs te censurent. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. Mmh. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. Je vais pas tarder à m'éclipser. Mmh. Je vais même te demander de t'abonner. Ok. En YouTube Insta en description. Mmh. Reviens nous nettoyer le fion. Okay. Les vocalises sont intenses. Yeah. Je sais déjà que tu vas finir en transe. Yeah. Bref, sur ce, moi je vais te laisser. Mm-hmm. N'hésite pas à aller te resserrer la poignée. Yeah. Tout ce que je chante est compliqué. Mm-hmm. Tu arriveras même pas mal vers la moitié. Ouais. Faut atteindre les 8 minutes mm-hmm. pour pouvoir payer la hutte. Mm-hmm. Je te dis, tu joues pas ici, merde. Ouais. Hier, j'ai mangé ta grand-mère. Brrr. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros. T'inquiète. Ok. T'es posé sur le live Vanoué. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mmh. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Oh. Bien sûr c'est moi, c'est Speedy. Mmh. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à te branler. Mmh. Les modérateurs te censurent. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. Mmh. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. Je vais pas tarder à m'éclipser. Mmh. Je vais même te demander de t'abonner. Ok. En YouTube Insta en description. Mmh. Reviens nous nettoyer le fion. Okay. Les vocalises sont intenses. Yeah. Je sais déjà que tu vas finir en transe. Yeah. Bref, sur ce, moi je vais te laisser. Mm-hmm. N'hésite pas à aller te resserrer la poignée. Yeah. Tout ce que je chante est compliqué. Mm-hmm. Tu arriveras même pas mal vers la moitié. Ouais. Faut atteindre les 8 minutes mm-hmm. pour pouvoir payer la hutte. Mm-hmm. Je te dis, tu joues pas ici, merde. Ouais. Hier, j'ai mangé ta grand-mère. Brrr. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros. T'inquiète. Ok. T'es posé sur le live Vanoué. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mmh. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Oh. Bien sûr c'est moi, c'est Speedy. Mmh. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à te branler. Mmh. Les modérateurs te censurent. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. Mmh. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. Je vais pas tarder à m'éclipser. Mmh. Je vais même te demander de t'abonner. Ok. En YouTube Insta en description. Mmh. Reviens nous nettoyer le fion. Okay. Les vocalises sont intenses. Yeah. Je sais déjà que tu vas finir en transe. Yeah. Bref, sur ce, moi je vais te laisser. Mm-hmm. N'hésite pas à aller te resserrer la poignée. Yeah. Tout ce que je chante est compliqué. Mm-hmm. Tu arriveras même pas mal vers la moitié. Ouais. Faut atteindre les 8 minutes mm-hmm. pour pouvoir payer la hutte. Mm-hmm. Je te dis, tu joues pas ici, merde. Ouais. Hier, j'ai mangé ta grand-mère. Brrr. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros. T'inquiète. Ok. T'es posé sur le live Vanoué. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mmh. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Oh. Bien sûr c'est moi, c'est Speedy. Mmh. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à te branler. Mmh. Les modérateurs te censurent. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. Mmh. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. Je vais pas tarder à m'éclipser. Mmh. Je vais même te demander de t'abonner. Ok. En YouTube Insta. Voilà. Putain, ça me cassait les couilles. Comment ça va? En fait, ça va, hein, c'est une grosse blague, rien me casse les couilles, les gars. Par contre, il me casse les couilles, c'est le retour audio. Hein. Le petit retour audio, j'envoie le sondage. Voilà, hop, j'ai envoyé le sondage, les gars, parce qu'en fait, j'étais obligé de l'envoyer pour fermer le truc audio. Voilà, c'est un peu casse-couille. Sinon, comment ça va aujourd'hui? Comment ça se déroule? Aujourd'hui, lundi, début de nouvelle semaine, moi, deuxième semaine de vacances. En fait, il suffit juste de demander. Demander quoi? Quoi couper? Excusez-moi. Mais ouais, de demander quoi, Loni? J'ai pas capté. Sinon, comment tu vas, Loni? Comment ça va aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'est vous qui choisissez le jeu pour live. Ah, parce que je sais pas, j'avais fermé Discord, donc j'ai pas eu le message. Donc aujourd'hui c'est vous qui choisissez le jeu bah, via les petits sondages comme d'habitude le petit lundi quotidien, enfin non hebdomadaire plutôt, il n'y a pas des lundis tous les jours lol. Donc on commence avec Dead by Daylight, Resident Evil 4, Son of the Forest ou Fall Guys. Fall Guys d'ailleurs, première fois les gars, aujourd'hui première fois, truc de ouf, première fois que je joue à Fall Guys hors live. Premier degré, j'ai joué à Fall Guys avec Adam et on a fait un top 1 en plus, on a fait un putain de top 1. Ok, donc pourquoi je ne fais pas en live? C'est pas, tu vois, peut-être le skill qui manque, hein, généralement. Mais ouais, du coup, j'ai joué à Fall Guys hors live pour la première fois. Voilà. Est-ce que c'est une information folle? Pas vraiment, mais bon.
balance toujours. Parce que c'est vrai que Fall Guys, j'ai jamais joué hors live. Peut-être une fois, mais justement avec Adam et Alexis. Mais non, j'ai jamais joué hors live. Parce que vraiment, déjà que en live, c'est chiant. Mais alors, hors live, ça va être encore pire. Hein. Du coup, Loni qui vote pour DBD. Après tout, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai pas joué aujourd'hui, j'ai pas joué du tout à DBD. Hein. Je me suis levé, j'ai joué à Minecraft, et ensuite, t'as Alexandre et Antoine qui m'agressent pour que j'ouvre le serveur Minecraft, et du coup, bah, je vais avec eux, généralement. Et bon, en vrai, je vais pas te mentir que Minecraft, là, depuis que j'ai fini ma maison, c'est pas que c'est saoulant, mais... en gros, c'est pas la survie qu'on va faire avec Cyprien, hein. C'est une autre survie modée avec plein de mods, d'ailleurs. Peut-être un peu trop, d'ailleurs, également. On aurait dû peut-être... Ouais. Moi, j'avoue que ça fait beaucoup de mods, en vrai. Du coup, bah, c'est un peu chiant, mais là, je suis en train de découvrir le mode mécanisme sur Minecraft, et le mode est... le mode est dur, en vrai. Je crois qu'il est... Enfin, tu vois, Alexandre, il me dit, ouais, c'est intuitif et tout, machin. Ah, tu comprends ce qu'il faut faire, mais en fait, il faut tellement que tu retiennes deux choses. Par exemple, pour une machine, t'as... 3 carburants différents, et selon les carburants ça te fait un truc différent à l'arrivée, selon le matériau que tu mets et les carburants ça fait un truc différent, enfin il faut retenir toutes les combinaisons et c'est chiant, tu vois, c'est assez chiant je trouve. Je sais pas pourquoi je parle de ça, tu sais, ça n'a aucun sens, mais bon. C'est pour les premières minutes là de live, mais ouais, du coup on espère qu'on va pas tomber sur des vidéos, on espère qu'on va pas tomber sur des stream hackers, hein, parce que un peu la flemme, en vrai la flemme de fou. Et puis voilà, en fait, hein, voilà, tout simplement. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, j'ai pas joué à DBD du tout. J'ai joué, comme j'ai dit, à Genshin après toute la journée. Ah non, j'ai joué à Genshin, après je me suis mute pendant une heure entière, une heure et demie, voire. J'ai fait du montage. Et hier soir également, après le live, je n'ai fait que du montage. Donc, normalement, si tout se passe bien, la vidéo sort cette semaine. Si tout se passe bien, je répète, parce qu'attention, il peut y avoir hein, une grosse flemme qui revient, tu vois, et du coup, bah, au final, elle sort pas, tu sais, un mois plus tard. Ça fait d'ailleurs 4 mois que j'ai pas posté, donc YouTube m'a certainement shadowban, hein, à force. Mais ouais, du coup, voilà. Normalement, s'il n'y a pas de souci, la vidéo sort cette semaine, et vous inquiétez pas, là, les vidéos vont revenir sur YouTube, en tout cas, régulièrement. Parce qu'en fait, là, c'était juste la grosse vidéo qui va sortir, qui fait 40 minutes... qui a vraiment pris longtemps à monter, et du coup en fait à chaque fois je voyais le temps qui me restait à monter, j'avais, tu sais, j'étais un peu tu sais en mode flemme un peu de monter 40 minutes, et bah en fait là vu que j'ai fini les cuts, du coup j'ai plus de cuts à faire, et il me reste que du coup bah les zooms, les images à incruster, la musique à mettre, et du coup il me reste plus beaucoup, et puis bah voilà. Du coup, j'ai pas vu qu'est-ce qui a gagné. Bah, c'est Dead by Daylight qui a gagné. Aujourd'hui, j'insulte pas... Quoi ? Aujourd'hui, j'insulte pas des darons. D'accord. T'as osé le Kwakubé. Ah oui, dans le fameux sondage. Oui, en effet, effectivement. Non, renvoie STP, renvoie quoi ? Le sondage, bah, c'est bon. Il y avait que Loni qui a voté. Ouais, mais toi, du coup, tu vas voter pour un truc différent, ce qui va nous faire que on va se retrouver en 50-50, tu vois. Message de la France, non. J'ai la référence. J'ai la petite référence. Alors, par contre, j'ai mal aux yeux. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai trop joué. Mais du coup, ouais... Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que... Son of the Forest. Ah oui, c'est vrai que Son of the Forest, putain. Chaque fois, j'oublie. Genre, si vous me le rappelez pas en live, moi, j'oublie vraiment. C'est un jeu vraiment que j'oublie qu'il existe. Mais ouais, c'est vrai que Son of the Forest... ouais, putain, c'est vrai que... C'est vrai qu'il faudrait qu'on y rejoue. Bah, vous savez quoi ? Si jeudi, on n'y joue pas... Si jeudi on y joue pas, je sub tier 3 Iliana, voilà. Directement. Si jeudi on y joue pas, je sub Iliana, voilà. Donc finalement Iliana va faire, ah ben... Non, moi.
Parce que jeudi, normalement, jeudi, c'est Son of the Forest, du coup, jeudi. Donc, si jeudi, on stream pas Son of the Forest, je sub Iliana. Non, moi. Non, Iliana, parce que c'est Iliana qui veut Son of the Forest. Pas toi, Loni, on s'en fout. On s'en fout de toi. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais t'as capté. Oula, on va baisser le son. Hop. Ok, on est reparti, du coup. Du coup, DBD. Donc, DBD, j'y ai pas joué de la journée, donc je vais être mou de fou, mais bon. Ouais, on va quand même essayer de faire des bonnes games. Moi, j'ai pas perdu 3 fois en une semaine mon compte Twitch. J'avoue que c'est, ouais, j'avoue que c'est un peu honteux, Iliana. Hein. Nous fait honte, si je peux se dire. Donc les gars, je vais certainement devoir fermer OBS aussi, donc il n'y aura plus de musique. Enfin, là, je vais attendre que le jeu se lance. La petite musique... vous l'entendez de la musique? Ouais, c'est bon. Mouse HD. Remets-moi Modo STP. Ah oui. Il faut que je le fasse directement sur le chat. Le chat Twitch, comme ça. Ouais, hop là, c'est bon. Normalement, c'est bon. Normalement, Iliana est modératrice directement. Mais du coup, Iliana, attention, hein. Si Loni passe premier, si Loni dépasse ton ancien compte, et aussi, et j'ai pas vu, au fait, Iliana, t'avais envoyé un screen de ce que Twitch t'avait envoyé, j'ai pas eu le temps de lire. Il t'avait envoyé quoi? Ah, j'ai pas encore les filtres. Enfin, les filtres ne sont pas activés sur Dead by Daylight. Il est un peu relou. Mais il t'avait envoyé que t'avais pas assez de preuves, mais moi, ce que je demande, c'est est-ce que tu te souviens ou pas de l'adresse email que t'avais genre sur le compte qui a beaucoup, genre. Si t'as juste l'adresse email, même pas le mot de passe. Je renvoie après si tu veux. Mais enfin, même pas obligé en fait. Est-ce que t'as juste l'adresse email de Iliana, genre niveau 110? Mais juste l'adresse email, pas le mot de passe. Le mot de passe, t'as plus la. Comment c'est possible? Je Genre, par exemple, si tu vas sur son téléphone et que tu vas sur Gmail, par exemple, et que tu cliques sur le rond où il y a normalement ton compte, genre, t'as pas tous les autres comptes que t'as créés genre sur ton appareil. Je peux le retrouver sûrement. Bah, essaie de retrouver juste l'adresse email. Et comme ça, si tu trouves l'adresse email, tu peux juste faire mot de passe oublié. Et comme ça, tu peux avoir le mot de passe, tu vois. Et du coup, comme ça, tu récupères ton compte avec l'adresse mail. Ensuite, tu vas sur Twitch, tu fais pareil, mot de passe oublié sur Twitch. Comme ça, tu remets un autre mot de passe. Comme ça, tu le notes quelque part cette fois-ci. Et comme ça, après, tu reviens avec le bon truc, tu vois. Non, c'est pas grave. Ah ouais, bah oui, du coup, Loni, il est intelligent. Il veut pas qu'elle retrouve son compte parce que comme ça, il va passer premier. Hein? Une erreur s'est produite pour utiliser les filtres. Veuillez redémarrer l'ordinateur. Alors, c'est pas que c'est casse-cou. Mais un peu, en vrai. Un peu. Parce que, bah... Tu vois, le jeu sans filtre... Jamais tu passes premier. Karma. Comment ça, Karma? Il a rien fait. En fait, là, tu vois ce qui est chiant. Attends, j'ai coupé la musique parce qu'on entend deux musiques en même temps. Voilà, on entend le son du jeu et la musique en même temps, c'est un peu chiant. Bim. Et là, je peux pas, genre mettre mes filtres Nvidia sur le jeu pour. Qui d'ailleurs ne sont pas dead shit, hein. Bon. On va redémarrer le jeu et si ça marche pas, on. Voilà, hein. Je vais refaire, moi. Filtre jeu. Fonctionnalité ne marche qu'avec les jeux pris en charge. Ok. Il y a eu une mise à jour DBD peut-être, je pense, non? Ça doit être ça. Bon, on relance. Je relance DBD. Là, je suis que niveau 23. J'ai que 23 niveaux à rattraper. Ah oui. Et du coup, ça va être long. Non, mais j'avoue qu'en vrai, 23 niveaux, en vrai, Loni, tu te rends pas compte. Mais Iliana, elle passait, on va dire, un niveau tous les mois. Alors que tu vois, elle est là presque tous les lives, à force, tu vois, tellement que ça devient dur. D'ailleurs, il faut que je remette des rôles. D'ailleurs, je vais aller sur le Wizbot, tiens. Je vais aller sur le Wizbot.
J'espère que ça lag pas trop parce qu'en même temps je dois ouvrir un serveur à Ternos. Parce que en fait les autres veulent jouer à Minecraft en même temps que je live. Hein, donc je sais pas si ça me prend de la RAM à moi, je crois pas, ça prend de la RAM au jeu, donc je ne sais pas. J'espère pas parce que ce serait chiant. Bon, attends, du coup je vais remettre la musique. Hop. Panel de streaming. Alors. Bim. Ok, c'est bon. Ah, alors par contre, ça a pas sauvegardé. Il va falloir que je remette mes filtres. Bon, on va le remettre. De toute façon, à force que je commence à connaître, tu vois. Hop. Et je crois que l'autre, c'est... Exposition contraste. Ok, alors. Je vais afficher le jeu, les gars, directement. Je vois mon petit Ice-T, il n'y a pas de mise. Quoi? Je dis, si à Son of the Forest, je veux que tu prennes le véhicule électrique. Mais le véhicule électrique, il faut genre un truc à prendre. Ouais, tu me diras, parce que tu peux pas le craft. En vrai, ça serait complètement débile. Grâce à cette information, je peux détecter si tu regardes le live et si tu bois du Ice-T's. Ok, c'est bon. En fait, finalement, il y a les filtres. Hein. Il fallait juste que je redémarre le jeu. Bah, c'est bon, c'est redémarré du coup. Alors, comment c'est déjà les niveaux? Mes commandes. Configuration principale. Dashboard, mon compte. Non, c'est pas ça. Dashboard. Quoi, oh, c'est ça. Type automatique. Non, là, je vais pas voir ma rediff en direct, tu vois, c'est... Il vient plus, Lucas. Ben, je ne sais pas. Il est peut-être... Ben, tu sais, il avait dit qu'il faisait des trucs maintenant. Enfin, qu'il faisait des trucs. Genre, je sais pas comment dire, mais il a dit que... Au pire, je ferai ça plus tard, le Wizbot, en vrai. Hop, vas-y, hop. On va se concentrer sur le live. En plus, je vois des potes à moi, elles vont en Italie, elles voyagent et tout. Et pourquoi tu dis ça? J'ai pas compris pourquoi t'es passé de Lucas, il vient plus à... Ouais, il y a des potes qui vont en Italie. Je sais pas, j'ai vraiment pas compris le changement, tu vois. Il construit des maisons, il a pas le temps. Wesh, ça va, Iliana? Genre, bizarre, j'ai l'impression que t'es violent, genre, un peu. En plus, il est même pas italien, il est portugais. Oh là là, il y en a le... Contraste à 0%. Je me souviens plus. On va regarder la vidéo de Varg. Hop. Marqué Varg filtre. Ah. Hop. Oh nice, NoCaps il a fait une vidéo bien débutée sur Honkai Star Rail, on va la regarder juste après. Enfin pas en live hein, vous inquiétez pas. Pas une saloperie. Alors. C'est ouvert. On va commencer à mettre le filtre installé. Comme si vous commenciez. Et on va... Donc c'est quoi? C'est exposition contraste, affiné et détail, ouais voilà. Exposition contraste va me permettre d'avoir un petit peu plus de luminosité, mais personnellement je préfère. Ok, Lonikia invite, on rejoint. Ah, on ne peut pas... Ah oui, parce que j'ai pas... Ok. On va voir ça tout de suite. On va mettre contre... Hop. À 0. Bon, j'ai accepté. C'est bon, normalement, je rejoins Loni. Ouais, par contre, là, c'est trop clair, là, le jeu. C'est horrible. Vous voyez le jeu? C'est bon, vous voyez. J'ai spammé les invitations, là. Y a pas de la racicité, c'est la vérité. Tu dis ça parce qu'il est portugais, t'es raciste. Tout à l'heure, je voulais installer Plateau... Et ça veut pas, c'est indisponible. Voilà, nickel. Ensuite, la tonalité HDR. On va la baisser à 31% également. Bah, sinon, ça a piqué les yeux, c'est un peu trop clair. Hein. Comme je disais, j'ai 1% également. Voilà, nickel. Par contre, c'est derrière, donc ton foncé à moins 30%. Hop. Alors, du coup. Et Loni qui a acheté Jill Valentine's. Filtre jeu.
Exposition. Alors il dit exposition 0%. C'est vrai que je peux baisser avec les flèches, non? Ouais, hop. Exposition 0%, ton clair 100%, ton foncé moins 30%. Gamma 0. Ça c'est bon. Non, je suis dans un live. Bah ouais. Bah non, mais je sais pas, enfin, elle sait très bien que je live à cette heure-là, je sais pas pourquoi elle réagit comme ça. Très bien. On va par contre... Le pire, c'est que c'est pas la première fois, quoi. Bon, je finis mes filtres. Contrôle beam, hop, c'est quoi, c'est détail. Affiné 50%. Hop, alors, bim, faut que je refasse à chaque fois, je suis désolé les gars, bim, clarté 0%, tonalité HDR 30%, et flux lumineux 0%, hop, et affiné normalement on le met à 100%, et ignorer le grain du film 0%, ou à 100%, non c'est à 100%, c'est à coup, hein. Ouais, c'est 100% qu'il faut mettre. Hop. Terminé. Et voilà. C'est bon. J'ai fini de paramétrer le jeu. On est prêt. C'est parti. Hop, je remets le retour. Parce qu'il n'y était pas, en fait. Je suis une merde, désolé. Hop. Alors. Tout à l'heure, hein, t'as frôlé le ban. Je l'ai toujours eu. J'ai pris le pack Léon. Ah bah oui, du coup. Tu la Vesky même. Quand elle est rentrée, ça m'a rappelé mon anniv. Quand elle a amené un gâteau avec une bougie dessus. Ah, j'avais fait ça? Putain, ça m'étonne. je me souvenais même plus. Je me souvenais plus du tout que j'avais fait ça pour Iliana. Mais ouais, bah, je suis ultra sympa comme gars en vrai. Hein. Le mec, il se souvient plus qu'il avait fait un truc qui est vraiment... Non, merde. Je vais mettre le grain du film à 0%, parce que je crois que c'était à 0%, voilà, qu'il était. Voilà, hop. Ok, c'est parti. Enfin, vous, en vrai, là, pour la vidéo, ça change rien. Hein. Vous, là, vous avez le jeu normal sans les filtres. D'ailleurs, c'est tant mieux, finalement. Et le gâteau, d'ailleurs, c'était un putain de savane que j'ai mangé. Hein. Donc, Yana, finalement, tu n'as rien gagné. J'ai toujours subi les 8 coups de protection, ouais. D'ailleurs... Les coups de protection, bah j'ai toujours le bon build. Sauf que je le joue très mal. Le seul truc que je me souvienne que t'as fait pour l'anniversaire de Liana, c'est une scène avec Joyeux Anniversaire. Oui, qui d'ailleurs est pas folle. Hein. Et je crois que je l'ai pu. Ah si, c'est ça. Genre, t'es raciste envers les autres followers. Oui, il l'est. Non, c'est... Bah, bon, en même temps, vous me le dites pas quand c'est vos anniversaires. Quand c'est vos anniversaires, juste je change le nom avec marqué Joyeux Anniversaire, Iliana. Je mets juste Joyeux Anniversaire, Loni, par exemple. On a que des gars qui ont l'air plutôt chauds. Donc, GG. Je te l'avais dit, moi. Tu me l'avais dit? Et j'ai oublié. Je suis vraiment une merde. Mais ce sera pour l'année prochaine. Oh là là, alors celle-là, putain. Celle-là, comment elle fait mal quand tu l'entends. Ce sera pour l'année prochaine. Hein. Tu sais, quand t'as dit « Ouais, moi, je voulais ça et tout », ils ont fait « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. » Ce sera pour l'année prochaine. En Q, l'année prochaine, il aura oublié, tu vois. Mais bon, après, on va rien dire. Ils sont sympas. Bah non, du coup, c'est dans 3 mois. Ah bon? Ah, bah, si c'était dans 3 mois, j'avais oublié, moi, entre-temps. Je sais pas pourquoi je joue avec ce stylo là, j'ai un stylo dans la main et je fais ça avec parce que regardez, en fait il s'ouvre comme ceci genre. Tu tournes en fait et il s'ouvre. Ce qui est nul à chier hein, c'est nul mais voilà, pourquoi pas. C'est en juillet le combien du coup dans 2 ou 1 mois, ça fait 1 an, je suis hal. J'avoue mais il faudra fêter ça, non.
C'était violent de fou. Mais du coup, attends, il faut que je change la catégorie du jeu. Voilà, déjà on met Dead by Daylight et on met... Voilà. Hop, si jamais il y a des gens qui veulent venir, j'ai mis venez jouer avec nous en vrai. Oula, non, le carré commence pas à voilà, changer de couleur, voilà, reste bien vert s'il te plaît. C'est le 22-07, ok, parce que je pouvais pas l'ONI. Ouais, ok, d'accord. Ok, donc on est sur DBD directement. On commence en Coldwing Farm. Bon, est-ce que c'est fou? Pas vraiment. Je vais faire une petite prédiction, en fait, les gars. J'ai oublié de faire la prédiction, je vais la faire maintenant. Ce qui est un peu tard, hein, mais je la fais maintenant. Voilà. Donc, petite prédiction pour vous. Donc, votez vite, s'il vous plaît. Comme ça, après, je ferme... Comme ça, après, je ferme... comment ça s'appelle Putain... Oh, je suis débile ou quoi Comme ça, je ferme Opéra. Parce qu'en fait, Opéra me prend beaucoup de perfs sur DBD. Allez, je suis généreux aujourd'hui. Oh non, c'est Nemesis. Bon, le tueur, c'est Nemesis, les gars. On est dans la derme, finalement. On est dans la... grosse derme. Donc Nemesis. On voit pas après tout. Bon, il est sur Arma. Arma qui a l'air de... être plutôt... de plutôt géré finalement. Ah ! Wesh. Ok, bah là je suis foutu, c'est foutu. Dommage, gros, mais en fait, dommage! Je me suis dit généreux. 1, ah oui, ok. 1 contre 1, GG à vous, les gars. Ok, bah en fait, je pense que je peux pas jouer en fait avec Opéra. Donc j'ai fermé Opéra, les gars. Donc, en ma vie, il y aura plus beaucoup de prédictions. Merde, il y a Nemesis qui me porte. Ah, dommage, en vrai. Quoi? Bien, c'est dommage pour... Oh! Quoi? J'ai pas pris le coup! Ok. Ouais, ok, tunnel, ok. Bon, c'est... ça commence à saouler les tueurs comme ça qui jouent comme des merdes, en fait. C'est un peu chiant, genre. Quoi? Il m'a eu? Quel connard. Ouais, il y avait le zombie, putain. Ouais, mais en fait, c'est saoulant, genre, mec va crever juste. Putain... Voilà, en plus il pue le zob. Ouais, mec, il est chiant de fou, genre. Il est encore sur moi, j'imagine. Oh, ça va, il s'est barré. Non, ok, il est là. Il est sur l'ONI, ok. Je vais juste me mettre dans le placard. Juste le temps de... Nemesis! Putain, c'est Magic Pepo et Nemesis, c'est sûr. Il stream hack. Magic Pepo qui stream hack, hein. Bah, va chier, Magic Pepo, finalement. Va chier, hein. Va chier, gros. Va chier. Hop, on ferme Opéra GX. Voilà. Donc là, bizarrement, on a beaucoup plus de FPS. Et merde, Loni s'est fait mettre à terre, attends. Comme qui porte. Quoi? Ok, non, j'ai cru qu'il m'avait vu. Nemesis! Mais gros, il galère ou... Mais gros, porte l'ONI? Mais gros, il abuse. Mais comment il sait? Comment il sait? Vraiment, j'ai pas compris. Comment il a su? Vraiment? Et pourquoi il a pas porté l'ONI?
Genre, et c'est qui ce gars, genre, pourquoi il... Ouais, il pue le zob en plus. Hein? Bon, après voilà, ça baisse la palette ou pas. Désolé. Bah oui, fils de pute, arrête de streamhack. Putain. Regarde-le, gros streamhacker là. Actuellement enrhumé, ça me fait penser qu'en cours, les gens, quand ils se mouchent, le bruit est plutôt bas. Et moi, quand je me mouche, c'est un éléphant. Ah, mais moi, je me gêne pas. Hein. Quand je me mouche, c'est une trompette saxophone des anciens. Donc bon, merci à Nemesis d'avoir tunnel, en tout cas ça fait plaisir. Merci à Nemesis d'avoir tunnel. Merci à Magic Pepou de focus, hein, de hard focus et puis de streamhack, hein. Donc vous me bannez celui-là, hein. Non mais non, il est modérateur, vous pouvez pas. je me fais enculer finalement, c'est génial. Opéra, c'est là où ça chante. Ah oui, mais où là? Non, vraiment pas, je... Vraiment très peu ça. Qui, regarde, qui va back save? A ton avis, qui va back save? Et donc il est en troisième niveau. Ok, donc hop, je vais me barrer. Sur qui va-t-il venir en vrai? Ok, il va sur la sorcière. Putain, le bruit par contre que ça fait quand il met un coup. Oh bordel! Bah non, en fait, il vient sur moi en fait. Oh non, il vient pas sur moi. Il m'a vu. Bien joué à Nemesis. L'Onic a mis un petit 3-6. Ah, malheureusement, l'Onic s'est pris le coup. Hein. On va essayer de tanker le coup de protection pour l'Onic. Comme ça, ça nous fait un petit truc pour notre défi. On attire Nemesis juste là. Allez, viens, mon grand. Je jump. Quoi? Pourquoi ça m'a pas fait jump? Alors, chef, fils d'up. Hop! J'aime bien quand t'arrives à baisser une palette pour, sur un Nemesis. Parce que Nemesis c'est un anti-palette. Et donc quand t'arrives à baisser une palette, c'est assez satisfaisant. Tu vois, il fait comme ça alors qu'il fait vraiment 3 mètres. Ok, bon, il veut son kill là, il va me tuer. Bien joué à lui. J'aurais peut-être pas dû prendre la fenêtre. Ok, ok, Mikaela qui protège. Ok, qui ne sert à rien en fait, hein. Il me focus clairement. Ok, GG. Et merde. Wesh, le rayon de terreur il est. Le rayon de terreur il est un peu bugué, j'ai l'impression. T'as vu le bait? T'as vu le bait? Mais si le Nemesis c'est Pepou, bah alors Pepou t'es raciste envers les chinoises. Comment tu sais? Putain. Oui, Loni. En tout cas, j'ai joué au Nemesis qui hard focus, hein. Un petit peu en vrai, parce que genre, enfin, m'accrocher 3 fois d'affilée, c'est pas ouf. Streamhacker, non, c'est pas un streamhacker. Un streamhacker. Ce serait un streamhacker si là, il vient vers moi. Bon, si là, il vient vers moi, c'est un streamhacker. Ou alors, il a peut-être chillé une barbecue. Ah, toi, t'es un streamhacker. J'avoue, en vrai. C'est ça, un peu considéré comme du streamax. Oui, Loni. Putain, il a sauvé le mec, hein. J'ai l'impression qu'il y a personne qui... Ah, c'est bon, ils ont été sauvés. Ah non, quoi? Ah, j'ai l'impression qu'il arrive, hein.
Ok, l'Oni qui se prend le coup. On va essayer de tanker pour l'Onai. Comment il sait? Ok, ouais, c'est un joueur CS, hein, faut pas chercher. Ok, il arrive à pas... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'a pas poursuivi bien fort, genre. Oh bordel. Non, bon, ça passe. Ça passe simplement. Là, il fait le tour par ici, non? Ok. Et bien joué à lui. Ok, GG. Oh merde, il a cassé, putain. Oui, c'est vrai, il est... Putain, je suis con. Bon, là il va m'avoir. Hein. Là, très clairement, c'est fini. C'est la fin de la game pour moi. Ah, peut-être la palette, en vrai. Non. Ah, j'ai... Quoi? Comment ça, j'ai eu un coup de protection? J'ai eu un coup de protection, apparemment. GG à moi. Bon, il va poursuivre l'Oni, hein. Ouais, donc on voit très bien le type de joueur. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je m'abaisse. C'est vrai qu'il faut que je m'abaisse quand il fait ça. Quand il met sous... Parce que c'est pas quand t'es accroupi, tu prends pas le coup de tentacule. Je crois que c'est ça. Bon, il va me porter. Ouais, ok, quelle salope. Oh, l'Oni, peut-être flash save. Ah, il a pas la flash, c'est pas l'Oni qui a la flash, putain. On s'est perdu du coup. Et l'Oni qui a peut-être des ou, ok. Ouais, non, dommage. Ouais, dommage l'Oni, bien tenté, mais ouais. Ouais, non mais regarde le frère. Le mec est trop RP en fait. En fait, le mec est trop RP, tu vois. Le mec est trop RP, putain. Oh, le mec il m'a accroché 3 fois d'affilée. Ah non, il a accroché un mec entre temps. Ouais. Donc il a pas tunnel, quand même. Bon, du coup, c'est pas encore perdu, les gars. Normalement, si les 3 gagnent, c'est ok. Enfin, si l'Oni meurt, c'est perdu quand même. J'ai quand même l'impression que c'est un stream hacker, hein, non? Non, c'est pas un stream hacker, c'est juste. Il est intelligent. Pourquoi il y a des hobbits noirs, les gars? Ben, ça, vraiment, je suis pas. Je sais pas. Je suis vraiment pas au courant, frère. Je suis vraiment pas au courant de tout ce qui est hobbit, etc. Tu vois. C'est pas l'homme qui prend la mer, mais c'est moi qui baisse ta mère. Bah, de même, finalement, de même. Hein. L'Oni arrive à soigner un gars quand il fait ça. Genre, moi, vraiment, c'est trop. Enfin. Quand je me tourne vers un gars et que je suis à côté d'un générateur, ça prend automatiquement le générateur. Au Z-Event, j'ai donné 0€, mais bon, je suis un alcoolo. Un côté blanc, un côté noir. J'ai pas lavé mon slibard. Je vous mets bien. Bah pas moi. Ah, ouais. Ah oui, ok, d'accord. Ok, j'ai capté... J'ai capté le délire, j'avais pas vu, je me suis dit, je nous mets bien dans la game, tu vois. J'étais en mode, bah non, du coup, vu que je suis mort, en fait, j'avais pas capté le principe. D'accord, Loni, je vois le principe. Un maximum de subs, les gars, pour revoir ça, la prochaine fois, c'est un sub. Giga Shad. Directement. What? C'est la lampe à clignoter là? La lampe à clignoter, c'est peut-être parce qu'elle a peut-être pris plus de. Elle a peut-être bientôt plus de batterie. Ah, ok, donc Nemesis qui. Back save. Bon, de toute façon, je pense que c'est perdu, hein, vu comment Nemesis il a l'air d'être v'là chiant. Voilà.
Il me rappelle quelqu'un. Il me rappelle un certain joueur à l'époque, un certain Nemesis, genre qui casse souvent des portes, qui pète des portes plutôt, si je reprends ces mots. Je suis à... Oh, Wolony qui nous donne envie de gerber, hein. Oh, il y a un zombie. Il s'appelle Nicolas, le zombie. La puerta. Et, ah, tu fais quoi, mon grand? Hein, qu'est-ce que tu as fait, mon grand? Je pète la porte. Donc là, on a un Némésis qui... Au moins, il campe pas. Au moins, tu vois, il campe pas. Un tueur qui campe pas, tu vois. Ça devient rare, hein, dans DBD. Hein. Un tueur qui campe pas. Ça devient assez rare. Ok, ouais, le zombie se fait troll. Hein. Le zombie se fait troll. Ah, j'ai l'impression que par contre, il a repéré l'Oni. Regarde, le zombie se fait troll. Hein. Ah, le gros naze. Regarde comment il se fait troll, le zombie. Oh, Nicolas, le gros naze. Hein. Ouais, c'est un malade, gros. Il a failli, frère. Faut peut-être aller sauver le mate, non? Faut sauver Lazed Peak, tu vois. C'est plutôt sympa, je pense, mais bon. Apparemment, tout le monde s'en bat les couilles, hein. Ah, mais Lazed Peak, ça dégage. C'est les... Ouais, c'est Lazed Peak, ouais. Je sais pas si je le dis bien. Le gros, ouais, ben non, Magic Pipou, vous me bannez, ben je ban def Magic Pipou, je ban def moi-même, hein, directement. Hop, c'est le ban def pour lui, ça dégage, hop. Merci d'être passé, c'est ciao. Ah, Magic Pipou qui a le Prime Gaming en plus, il a le Prime Gaming, tu vois. Il a le Prime Gaming, mais il sub pas. GG, value. Non mais GG. Gros naze. Ouais, non, c'est trop tard pour se rattraper. C'est quoi ça? C'est une bombe à Latina? Je me suis sub. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est déjà sub. Regarde, avec la tête de l'Oni, exactement. Oui, c'est vrai qu'il est déjà sub, Mais j'avais pas vu. J'ai le 1. Ouais, le 1, justement, ça veut dire que c'est pas assez. Genre, il faut avoir le 2 ou le 4, tu vois. Ou le 6. Je l'ai peut-être avec la bomba. Ouais, c'est la petite caisse à outils. Ah ouais, mais en fait, Lonnie, c'est une salope. Il a même pas sauvé Armafrock TTV. Putain. Ah, le gros bâtard. Lonnie, le gros bâtard, les gars. Maximum de Lonnie, le gros bâtard dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, maximum de gros cul. Donc, c'est défaite, hein. Ah, on est mort, il y a eu 3 morts, il n'y a que Lodi qui survit, c'est une défaite. Perdu contre Nemesis quand même. Hein. La honte. Après, il a fermé la trappe. Ouais, il peut peut-être le faire. Loni, avec un peu de chance, peut-être que Loni peut le faire. Il se cache dans le placard. Ok, je vois ce qu'il veut tenter, Je vois ce qu'il veut tenter, il veut attendre que Nemesis arrive. Bon, en vrai, il aurait clairement le temps. Loni aurait eu clairement le temps, hein. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va attendre que Nemesis arrive à la porte et qu'il reparte pour activer, tu vois. Ok, c'est bon, tu peux y aller, tu peux y aller. Ok, cours à la porte, active. C'est gagné. Non, normalement, c'est gagné. Sauf si Nemesis décide d'un coup de revenir, mais d'un coup, tu vois, genre sans réfléchir. C'est gagné, GG Loni. Mais GG en vrai. Tout simplement GG. Et il reprend la caisse à outils quand même, tu vois, il est un peu hautain. Bah, Ilyana, t'as gagné finalement. Hein, c'est la défaite. Loni est tout seul à avoir gagné. Et que fait les Mesaïs? Voilà, la lenteur. Regardez la lenteur du mouvement de Loni, hein, la lenteur. Le mec abaisse la palette et tout. Enfin bref, le mec un peu hautain, quoi. Regardez la lenteur, frère.
Et le fameux oui avec la tête. Parce que Nemesis est un peu perdu. Ah. Donc, j'ai déjà envie d'avoir gagné, mais bah, c'est défaite. Hein, malgré tout, c'est défaite. Donc, GG au Nemesis. Il jouait quoi? Il jouait augmente de 25% la vitesse de zombies et augmente la portée de détection des zombies. C'est nul à chier, genre. C'est vraiment pas ouf. Bon, tant pis. GG à l'Oni. C'est bon, GG à l'Oni. Kylian a ses victoires. Enfin, pour Iliana, je parle. C'est défaite pour nous, finalement. J'ai un peu le seum. Finalement, j'ai un peu le seum parce que bah on était bien parti. Malheureusement, il faut que je me fasse. Et tu sais, c'est que moi. À chaque fois, c'est que moi. C'est jamais, par exemple, Loni qui se fait focus, tu vois. Donc, je sais pas. Peut-être il focus que les faibles. Tu sais que je suis faible. Tu sais, je l'assumerai hein, si c'était le cas, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, je vais mettre le résultat de. Bah, du résultat. Enfin, du. Truc, j'ai tout perdu, je crois j'étais, il me manquait que un point je crois pour passer hors 2 et ben j'ai tout perdu, donc GG, donc on va mettre prêt et puis bon, en fait ce défi là de prendre les coups de protection il me casse bien les couilles gros et j'ai plus de caisse à outils pour couper, super. On va faire ça. Hein. Et on va pas mettre ça, on va mettre. Parce qu'en fait ça sert à rien. On va mettre quoi? On va mettre. Vous commencez à partir avec quelqu'un d'autre. Vous commencez la partie aussi loin possible du tueur. On va voir. On va voir, les gars, on va voir si c'est le cas. Là je mets ça, tu vois. Normalement je commence la partie aussi loin possible du tueur. Ok. Si je me fais focus le premier, voilà, donc je me fais un peu enculer dans l'histoire si je me fais focus le premier. Si je me fais focus le premier, ça veut tout dire. Ça veut dire que je vais me faire foutre. Hop, donc on met le résultat de la prédit. Petit résultat de prédiction, bien sûr. Je reviens. Le Arma Frog m'a dit GG la save, le noob. Alors que si... J'y allais, on serait tous dead. Frog, comme un futur grenouille, y a que moi dans mes rêves, j'arrive pas à courir. D'accord. Sois-je cœur super lentement. Et waouh, j'ai rien compris. Le mec a osé dire qu'il a tenu 3 gènes le tueur alors que c'est toi. Qu'il a tenu 3 gènes le tueur. Ah oui, ah oui. Quoi, c'est un autre mec qui a dit ça? Eh ben c'est GG à lui en tout cas. Hein. On met la petite prédiction les gars. Petite prédiction. C'est la mec, oui bon. Après tu vois, je vais pas rentrer dans ces choses là, tu vois, bon. Si au fond on sait tous que c'est moi qui ai fait le travail. Puis que, enfin voilà, tu vois, on va pas chipoter, n'est-ce pas? J'ai envoyé la petite prédiction, les gars. Alors moi, je vais juste aller chercher à manger parce que j'ai faim, quand même. Donc voilà, je reviens.
GG à vous. On reprend les gars directement, bim, voilà, on reprend. Quoi, j'ai même pas spam gros mytho, Yana a tout fait bugger. C'est vrai ou pas? Ah oui, bah Loni, ouais, je suis pas sûr en vrai. Pas sûr que ce soit Yana, tu vois, je suis pas sûr à 100%. Bon, du coup, on est reparti, deuxième game. J'ai pas vu les résultats de la prédiction. J'ai pas vu s'il y avait beaucoup de trucs misés en fait. Donc l'hôpital, on est dans les riz. GG à Loni. Menteuse, en plus elle a changé de pseudo pour m'accuser, bah merci. Ok, j'ai eu le coup de protection. Ok, elle a foiré son coup. Oh putain. Let's go les frères. J'ai été tendu hein. Excusez-moi, j'ai pas parlé, c'est parce que j'étais tendu. Et là elle va se taper à moi, bon on va prendre la fenêtre du coup. Bim. Ah ouais, elle me veut moi, elle a même pas poursuivi la, elle a même pas poursuivi la Claudette hein. Ah, désolé. Désolé Clo-Clo. Ah, apparemment elle repoursuit la Claudette du coup là. Ah dommage, ouais je suis désolé, j'ai foiré de fou. Ah, elle le met pas là? Elle va au crochet là-haut? Putain, mais gros, c'est quoi ça? Ah, elle doit avoir le truc du... Bah non, pas du chevalier, bah le chevalier c'est que sur les gènes, je crois. Bah non, du coup, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas comment elle a su, mais en tout cas, GG. Je me fais un peu enculer, hein. C'est pas grave. On a fait un gène. Ok, Loni qui ressoule, hein. Petit bag, qui clic-clic, enfin bref. Le Loni qu'on connaît bien, finalement. Voilà, qui est semblant. Merci Loni. On fait oui avec la tête pour montrer qu'on est content. Mais quoi, Claudette est passée à P2? Mais libérez-la! Ils l'ont même pas libérée. Vous avez même pas libéré Claudette? Elle a quoi? Oh non! Trouvez le totem, les gars. Faut trouver le totem. Non, parce que cette compétence de merde, hein, si elle peut nous one-shot après, c'est... Enfin, si elle peut nous kill, en fait, hein. Tu manges quoi? Je mange... un beefsteak. Non, c'est un tourne-dos avec... des pâtes. Oh, le méga gros karma que j'ai pris.
Ah, ça revient. Non mais ça revient vers nous, Claudette, hein. Quoi? Bah oui, du coup elle one shot. Est-ce qu'elle va slug? Non, c'est bon. Je vais sauver Loni. Ah bah Loni qui a déjà été sauvée, hein, finalement. La crochou, elle va la raccrocher là-haut. Bah du coup Clo-Clo c'est ciao, hein. C'est ciao Clo-Clo. Moi, on peut voir Loni qui est juste là. Qui nous soigne, qui est assez gentil. Oh quoi, elle a foiré. Comment elle a fait pour foirer ça? Let's go, elle a détruit le totem, elle a détruit le totem, let's go, on est plus one shotable. Wesh, par contre, ouais, prends la fenêtre, s'il te plaît. Y'a plus de palette là. Putain, y'en a plus. Putain, mais je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Mince. Ouais, là, j'ai foiré, hein, très clairement. Je suis dans la merde. Il y avait une palette ici, on a vu. Ah bah, elle l'a vu également, je pense. P2, hein. C'est la P2 pour nous. Ah, du coup, il va falloir cliquer. GG. Bon, merci Loni pour le petit soin des familles. Ouais, mais frère, évite. Bah non, frère. Ok, GG pour la flash. Ouais, bah ouais, le tunnel. Bon, c'est pas grave, on va rien dire, on va dire que c'est une erreur, même si c'est clairement... elle nous casserait clairement les couilles, hein. Ouais, voilà, tunnel pour moi. Bah j'en ai marre, finalement ça m'arrive tout le temps, c'est un peu saoulant, c'est usant, voilà. En vrai, le bon terme ce serait usant, je pense. Parce que tu vois, ça arrive souvent, et quand ça arrive, c'est jamais bien, tu vois. Jamais cool. Donc GG au tueur. Parce que bon là, il va essayer de me dire que c'est pas du tunnel, tu vois. Du coup les gars, c'est des fêtes, hein. Désolé mais c'est des fêtes, hein, du coup, hein. Y'a plus qu'une personne. Bon, moi j'ai réussi à prendre un coup de protection. En plus on a tous mis un truc 100%. Mais annulé. Comment ça annulé? Genre sur la prédiction? Mais il n'y a que un point qui a été misé. Le Niak a voté avec un flexi.
Bah non, tu perds ton flexi, mec. Et ciao. Bah non, c'est pas beaucoup. Hein. Quand tu m'aurais dit, ouais, vous auriez voté tous, genre, 500 points et tout. Ah, vraiment, hein, tu vas pas faire ton rat. Allez, on reprend, du coup. Bon, bah, du coup, c'est encore défaite. On enchaîne les défaites. On enchaîne, finalement, la merde, hein. La merde à l'état pur. Donc, on met une petite prédiction. C'est parti. Hop. Victoire ou défaite. À vous de voter. Vous avez 2 minutes. C'est parti. GG2 Zero. C'est le tueur. Je sais pas si c'est lui. Non, je crois que c'était un gars qui était avec nous. Enfin, je crois, frère. Je suis pas sûr. Frère, par contre, le truc, il est cuit. Il est bien cuit, genre. Ah, Spirit, ok. Non, Looney. GG2 Spirit. Bon. Du coup, on est reparti. Non, c'est moi. Ah, c'est toi le tueur. Putain, bah, du coup, c'est Illyana, les gars. Bon, vous me bannez Illyana, s'il vous plaît. Non, ça dégage. Parce que bon, le focus, c'est bon, quoi. Hein. Là, j'ai encore rien gagné, tu vois. J'ai pas insulté, t'as vu. Bah, du coup, on a... Enfin, moi, si, j'ai vu, moi, du coup. Pas moi que tu devrais dire ça. C'est plutôt à Illyana, elle a potentiellement pas vu, mais moi, j'ai très bien vu, genre. Du coup, les gars, je pense que là, il n'a pas duré très longtemps aujourd'hui. Je pense que là, ça va être avant-dernière game. Parce que j'ai une vidéo à regarder que j'ai envie de regarder. Je vais la regarder, en fait. Hein. Je viens de capter, mais le truc pour spawner aussi loin possible du tueur, du coup, il ne marche pas! Puisqu'on s'est fait focus en premier avec Looney, quand même. Du coup, je pense que cette merde ne fonctionne pas. On va mettre... Bon, tant pis. On va réessayer, tu vois, on va réessayer. On va réessayer, voir si on spawn loin du tueur. On va voir. On va prendre logiquement, en vrai. En vrai, ça, c'est une offrande, tu vois. C'est une offrande un peu piège. Parce qu'en vrai, quand t'es tueur, tu fais quoi? Tu sais que les survivants, ils peuvent pas spawn autour de toi, tu vois. Enfin, à côté, tu vois, c'est logique. Ils peuvent pas spawn à côté de toi. Du coup, moi, ce que je fais en tueur, généralement, c'est que je vais à, genre, au générateur qui est le plus éloigné de moi. Et généralement, ils sont là, les survivants, tu vois. Un des générateurs qui est le plus éloigné de moi. Du coup, en vrai, cette compétence, elle sert un peu à rien. Du coup, le tueur va quand même aller vers toi. Quand t'es tueur, tu tues. Allez, elle a gagné, c'est bon. Donnez-lui 10 000 euros. Donnez-lui. Elle a trouvé le code hein, de Radio France, finalement, de Radio Primitive. Ouf, putain, gros, le truc, il est bien cuit, hein, de fou, hein. Ouais, c'est fou, il est solide de fou, hein. Ah, ok, donc lui recommence à se faire ban. Oh non!
Dis-moi, c'est tout sauf Nemesis. Pas Nemesis, genre Wesker, un petit Wesker, ok. Ok, c'est Wesker, let's go. Après, d'abord, en vrai, il y a des Wesker qui sont pas mal forts, en vrai. Il y a des Wesker qui sont pas mal, tu vois. Moi, j'aime bien la musique de Rayon de Terreur de Wesker. Ouais, elle est stylée, genre la musique, de quand il poursuit. Bah, Ace PDS, elle arrive à le tenir bien comme il faut. Elle arrive à le tenir longtemps. Il doit pas être fou, alors elle est très très forte. Peut-être elle est très très forte, hein. On ne sait pas finalement, on ne sait pas. Après, je me cacherai derrière. Ah. Il arrive. Ah, il a pris Usebra. Quoi? Il y a un gène là. Bah attends deux secondes, Loni, attends deux secondes. Juste un truc genre vite fait. Juste un truc vite fait, Loni, vite fait. Hop. Voilà. Attends, Loni. Oh là là, quel impatient. Voilà. Il est retourné sur S, sur Ace. Mais la pauvre Meg. Bien. Oh mais Loni. Loni, tu es cringe hein. Par contre le Wesker il a l'air d'être d'avoir du mal hein. Parce que Ace arrive quand même bien à le gérer. Oh il est où? Oh merde il est là. Oui. Oui je me lève à 11h oui. Mon père il est à 11h. Oui. Oui. Donc il est sur l'Oni. On va avoir fini le deuxième gène. On va entamer le... Enfin, le troisième plutôt. Voilà, on va entamer le deuxième. Enfin, le quatrième plutôt. Oh là là, je suis perdu. Je suis perdu complètement. Il est vraiment juste à côté, mais tu sais quoi, je suis même pas, je me sens même pas en danger. Il va à TF4, Loni, il est en train de le taunt, il va à TF4. Loni qui va faire à TF4 le tueur. C'est sûr, le tueur va à TF4, je pense. Hein. Il a bien fonctionné ton truc. Tu dois te lever à 11, ça va, moi je me lève à 9. Bah non du coup je dois me lever à 10h30 finalement. Hein, parce que je joue au musée Guerre et Paix. Loni qui s'est fait un peu en coulada hein. Alors hop j'ai subi le petit coup de protection. Ah ouais il poursuit Loni encore. Ah ouais. Ah oui Loni tu l'as, t'as dû bien le taunt hein, pour qu'il soit tilté boubou comme ça frère. Ah et là le tueur il est tilté boubou hein, vraiment. Il a besoin de bol hein. Ok. Il retourne sur Loni. Il va reprendre le générateur. Moi je me lève à 9 jusqu'à je me réveille là à cette heure là. Ah tu te lèves à 9h comme ça tous les jours, putain t'as de la chance hein. Tu vas aller te coucher très tôt quand même. Oula merde. Ah il va l'accrocher ici. Ouais.
On sauve l'Oni. Non, mais putain, je suis merde. Tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y a trop de trucs sur clic gauche, tu vois. Puis à moi, 13h. Même pas, je me couche à minuit. Bah minuit, c'est tôt hein, pour moi. Mais l'or voilà. Ouais, il est trop con. Ok, il est encore sur une ville zébra. Quoi son pseudo? Une ville zébra. Ah merde, il est sur moi. Ok. Ah non. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais ok. Qu'est-ce qu'il y a, l'Oni? L'Oni, ok, d'accord. Je vois. Ah, elle s'est fait avoir, non? L'Oni qui tilte le tueur, hein. Comment ça, il va le mettre là-bas? Lui, tank le coup. Non! Ah si, voilà! Voilà, c'est ça, vas-y. Je sabote. Let's go! Oh, il l'a mis à terre. Hop. Ah merde! Oh le bâtard! Think you can defeat me, bitch! Oh putain, il veut pas quitter son poste, hein. Ah, il veut en accrocher un. Ouais, il veut en accrocher un. Il accroche qui? Ah, il accroche le nid en plus. C'est pas grave, je pourrais peut-être sauver l'autre. Enfin, je pourrais peut-être défendre l'autre. Là, il va le porter ou pas? Je vais sauver l'Oni. Le sauve. Non, mais putain, voilà, ça qui me saoule. Voilà, j'ai usé ma compétence pour rien, là. Après, j'ai encore la boîte à outils qui peut être utilisée, mais... Putain, on va rescuer l'autre, en vrai. De soigner l'Oni au moins. Voilà, ouais, l'autre est mort. Bon, bah, on va essayer de sauver le mec. Il va le mettre où? Il vient vers nous là, non? Non? Il va à l'autre générateur du coup. Enfin, à l'autre crochet, je pense. Normalement, elle a le time de se décrocher, je pense. Ah non, en fait, elle a pas du tout le time. On décroche. Le mec revient, on se casse. Je vais pas vraiment me casser, moi, je vais plutôt me cacher, genre. Je me cache ici. Ouais, il tunnel. L'Oni qui soigne. Il t'a kidnappé de ma POV, c'était trop marrant. Eh ben, moi, c'est... Enfin, j'ai pas pris ça comme vraiment marrant, tu vois. Lever vers 15h, 16h, j'ai pas compris. Ah ouais, 15h, 16h, moi je crois mon record ça doit être 15h. Et 16h quand même, c'est grave. Hein. Et là, il faut aller sauver l'autre, putain.
Vite, ok, j'ai mon boost de vitesse, en vrai ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Non, pas la P2, pas la P2, pas la P2, pas la P2, pas la P2. Ok, let's go. Putain. Mec, reviens ou pas? Non, mais voilà. Et là, je suis dans la sauce de fou. Et bah, apparemment, il me veut pas moi. Hein. Il va la porter, il va la mettre sur le crochet qu'il y a là, je pense, du coup. Ah merde, il la met pas là, il la met là-haut. Bon, GG à lui, il a bien prédit. Bien réagi. Il reste qu'un générateur en plus, hein. Faut qu'il y en ait un qui fasse un générateur pendant que moi j'essaie de rescue par exemple. J'essaie de me soigner de sa maladie. J'ai jamais su ce que ça faisait sa maladie en vrai. Ça tue peut-être au bout d'un moment, je sais pas du tout ce que ça fait. Ouais mais il revient, ça sert à rien. Ouais il tunnel. Je vais ouvrir sa box, peut-être ça va l'attirer. Ouais il est parti. Let's go. Je vais me vaporiser. Je soigne. Quand c'est rouge et que t'es soigné, il peut instant te grab. Ah ok. Bon ça va, c'est pas cheaté de fou quoi, on va dire. Ok, il y a une meuf qui a commencé le générateur, faudrait qu'on aille l'aider. Oh c'est une interne, ah, il était presque fini en fait. C'est bon, let's go, calme. Là on va l'avoir fini. Et après on ouvre la porte et c'est bon, c'est réglé en fait. Hop, je vais me diriger vers la porte pour commencer à l'ouvrir. Réparation max, parfait. La porte est ouverte, normalement. On ouvre la porte. Et voilà, c'est bon, c'est gagné les gars. Bon, on espère juste que l'autre, elle va pas se faire tuer. Allez, sortez. Ah, elle s'est fait mettre à terre. On va essayer de sauver. J'espère qu'il a pas Noed. Il peut avoir Noed à tout moment. Et il va l'accrocher là-bas. Ah, il va l'accrocher là. Quoi? Et frère, ça n'a aucun sens. Ok, let's go, il s'est foiré. Ok. Ok, let's go, j'ai mon coup de protection. Ok, il faut se diriger vers là-haut. Non, mais gros, encore, ça va, c'est moi. Oh, Loni, quoi? Oh non, il y a le truc pour pas se faire aveugler, je pense. Bah déjà, il a des lunettes de soleil en soi, donc s'il se fera aveugler, ça sera un peu con quand même. Oh non, j'étais à deux doigts. Du coup, il va me camper, hein, bah oui, forcément. J'espère qu'ils vont venir me sauver par contre, hein. S'il vous plaît, j'ai été bon toute la game. Vous allez me sauver ou pas? Ouais, mais ils se vaporisent, mais les gars, c'est bon, on n'a pas le temps là. Ok, la meuf va essayer. Voilà, elle se fait poursuivre, on espère qu'elle va pas se faire grab.
Non. Ok, c'est bon, elle s'est juste fait blesser. Ok. Là, il faut que je cours à la sortie, qu'importe le prix. Oh non, elle s'est fait avoir. Ouais, bah, de toute façon, en vrai... Hop, et là, c'est le moment. Allez. GG à elle. Ouais, non, elle va mourir aussi. Oh, oh. Attends, c'est moi ou t'es pas un de ces 3-6 magnifiques? T'as sauvé la Meg, pourquoi t'as fait ça? Oh, elle a réussi à s'enfuir ou elle s'est fait... Oh, elle a réussi, putain, let's go, GG. Et GG parce que j'ai fini mon... truc en fait, mon objectif. Putain, GG, en vrai, bonne game là. Bonne game, j'ai le plus 2. Le petit défi fini, et ben là c'était une bonne game, tu vois. En plus, le Wesker était pas trop mauvais, il campait pas trop. Bon, vers la fin, il a un peu campé, mais voilà. Ouais, bonne game. Hop. Emportez-le dans un lieu dangereux sans vous précipiter, ni tomber ou être blessé. J'ai pas capté. C'est quoi le truc glyphe blanc, Loni? J'ai vraiment pas compris. Genre, il faut sortir. Tu dois prendre le glyphe et aller dans la cave. Sans être blessé et tout. Ah, et sans courir, sans se précipiter. Alors, c'est sans courir. Ah ouais. Ah ouais, vas-y, chiant. J'imagine que le truc est à l'inverse de la cave, tu vois. Bon. Sans prendre de dégâts et sans sauter. Ah, je peux courir quand même? Est-ce que je peux courir? Parce que si je peux pas courir, vas-y, flemme, tu vois. Oh putain, sans courir. Oh là là, vas-y, la sauce. Bon, du coup, dernière game, hein. Dernière game et du coup je peux remettre mon build normal. Normal, voilà, hop. On va mettre... pour moi... Vas-y, on va mettre pour tout le monde, vas-y, je suis... Non, pour moi il y en a plus, donc on va mettre pour moi. Et puis je pense qu'à ma gueule après tout. Et puis on va se mettre une petite flash, vas-y, pour la dernière on va se mettre une petite flash. Petite flash save, etc, tu connais. Hop. On va se mettre une flash, on va se mettre rien de fou, on va se mettre ça et ça. J'ai vraiment plus rien d'équipement sur un Dabonga. Il faut vite fait que je passe tout le monde prestige 1, comme ça je la réaméliore bien comme il faut, comme ça je refais le plein. Mais la chance violet, moi j'ai mis chance violet. Parce que j'ai viande glissante. Attends, vas-y. Ouais, j'ai pris le défi glyphe blanc.
Mais du coup, il faut prendre le glyphe sans courir. Ah ouais, et puis tu dois traverser toute la map, j'imagine. En vrai, si c'est une map en intérieur, ça peut aller. Si c'est en intérieur, ça peut aller. Mais en extérieur, dans une map comme Auto Heaven, traverser toute la map sans te faire voir par le tueur, en vrai, bonne chance. Hein. Vraiment passer par les côtés de la map. Oh, 3 fois plus de chances d'échapper. Il y a 3 jarres de lèvres. Ah ouais! Ah, je peux courir! Bah, en vrai, même, je pense courir, ça doit pas être le must. Hein. Re-Eliana, Re-Eliana qui se barre tout le temps et qui revient tout le temps, tu sais. Je sais pas ce qu'elle fait. Mais du coup, ouais, un petit raccoon, là, ça ferait plaisir, tu vois. En vrai, ça va. La cabane est où? Oh, mais on le voit en plus! Ah, mais c'est EZ, en fait! Donc là, il est en face de moi, la cabane est là. Ah ouais, c'est bon. Il est juste à côté, en plus, non? Ah ouais, le gars se fait déjà poursuivre. Ah ouais, chaud. Ah, mais il est juste là. Si on court, ça fonctionne ou pas? Et on peut courir. Gara, il s'est déjà fait toucher, genre. Attends, je vais dans la cave, le niche, je fais mon défi de glyph et après, je suis à toi. Hop. Là, faut que je mette où? D'accord. Mais j'en ai encore un là, regarde. Je peux le poser? Je vais le garder toute la game là? Je vais le garder toute la game. Je suis obligé de l'avoir. Non. Ah si, je peux le poser. C'est Redfield qui s'est fait avoir là. Courir comme le magasin, je suis allé donner de l'eau à mon petit lapin. Oui, faut garder. Bah, la preuve que non, je l'ai posé et c'est bon là. Je sais pas, je l'ai posé dans la cave et c'est bon. Du coup, on est face à un spectre qui campe, a priori, parce que la meuf s'est fait prendre un coup dès qu'elle a des hooks. Ok, le gars a tanké le coup, GG. Bah, c'est quand même de faire un générateur, histoire qu'il se soit pas fait accrocher pour rien, tu vois. Qu'est-ce que tu fais, Lodi? Bah, fais le générateur. Bah, il est peut-être occupé. Il est où Gara? Bah on peut pas voir parce qu'on a le putain d'aveuglement, de sentiment obscur je crois. Magic Wood qui est de retour. On a bientôt fini le gel, on est face à un spectre à la con. Ok, GG Loni. Il y a Fegmink en train de se soigner. Ok, bon le mec se fait tunnel. On va essayer d'aller l'aider le pauvre hein. Parce que se faire tunnel c'est quand même la loose. Hein bon. Pour une fois que ça n'arrive pas à moi, hein. Mais bon, quand même, je sais ce que ça fait, du coup, on va aller l'aider. On va voir s'il campe, on va voir si le spectre campe comme ça. Je pense qu'il doit camper, hein. Il doit se mettre dans un coin et là, il attend que je vienne le sauver et il va... Ah non, il est sur le nid. Hop. Je te soigne, Chris, non? Si, je te soigne. Gaara, c'est dans Naruto. Oui, bien joué, Loni, bien joué, stylé. Dis le... le pseudo de la Feng. Nekosbit... Ah. Mais ça veut dire la morsure du chat en japonais. Non. Non, 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 je suis une merde. Finalement, je pense que je suis juste une grosse merde. Que le gars m'a vu.
Ok, bien joué à lui, GG. Ok, j'ai essayé de... Il y avait un arbre, il y avait un putain d'arbre, gros. Ok. Non mais viens pas me défendre. Sinon t'es déjà P2, frère. Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'il était venu me défendre, lui. Raté. Ok, le mec se remet en invisible, il revient sur moi. Ouais, là ça sent le mort, là. Pas te mentir que ça sentait un peu plus la victoire, hein. Un générateur juste là, il va sur Nekoz. C'est pas moi, mais non mais c'est pas... Putain, il est con. Mais c'est pas Nekoz beat, c'est Nekoz bite. Genre bite comme la morsure. Non. C'est ça, hein. Les gars. C'est... Mais morsure. Ouais, j'ai une grosse morsure dans mon froc, là. Grosse morsure de fou. Bah le spectre, il est sur l'Oni qui vient de lui caler un beau 3-6. GG, on va essayer de prendre... Ah bah non, je suis blessé. Du coup, j'étais en pleine forme. Ah bah, l'Oni qui m'amène le tueur, donc apparemment, je n'aurais pas trop le choix. Il est où? Voilà, ça c'est fait. On passe à la suite. Je dash. Hop. Ouais, juste ici. On fait oui avec la tête. Ah, tu veux... Soignage. Les gros soignages. Ah, tu veux... Tu veux que ce soit toi, d'accord. Bah, c'est flatteur. En tout cas, il est sur le live. De quoi qui est sur le live? Qui ça qui est sur le live? Nekoz. Est-ce que sur le live, Neko, fais oui avec Fengmin, fais oui avec la tête de Fengmin si t'es sur le live. Bon, après m'être soigné, s'il te plaît. Faut pas que je soigne. Oh putain, cours, Nekoz. Nekoz teubeux. Ah putain, non. Je suis désolé, Nekoz. Une grosse merde, hein, vraiment. Si je vais tenter, tu vois, mais en fait le mec était assez vif. Le mec était très vif, tu vois. Ok, bon, GG à lui, hein, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merde. Je vois dans les viewers. Ah, et sur le live, ben Neko, t'as vu que j'ai géré en vrai, hein. J'ai géré Neko, donc GG à moi. Et new, new too. Ok, Neko qui se prend un beat. Enfin, bref. Et alors, tiens, Magic Poo, donne-moi 100 bits, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. 100 petits bits, tu vois, tu connais. C'est gratuit, ça fait mal à personne. Enfin, c'est gratuit pour moi, hein. Après, pour toi, pas. Ok, le Nick qui arrive, le Nick qui est bien. Ok, le Nick qui décroche. Ah, mais qui décroche pas, hein. Qui troll finalement, tu vois. On a cru qu'il allait décrocher, finalement. Non, regarde, on a cru, en fait, on croit, regarde. Regarde, mon corps, il fait une mini rotation, tu vois, et hop, là, ça marche. Et on fait oui avec la tête pour montrer à Nick qu'on est content. Et après, ok, vas-y, soigne-moi. Ok, putain, Neko, c'est à cause de moi qu'ils se font enculer comme ça, frère. En tout cas, Gaara qui est bien. Ok, donc ça... Ah, d'accord. Attends, le mec, vous a pas vu? Il a fait exprès. C'est un Nekoz. Oh, vas-y. Mes 3-6 sont de plus en plus bancales, hein. Donc il est parti sur le Oni, non? Non, vraiment très peu, hein. Je descends... Il est temps de speed... Oh, le bâtard. Ok, il revient là, il revient. Tu vois, il a fait croire, il a fait genre...
je me casse, tu es tranquille. En fait, il est juste derrière moi, tu vois. Il y a le nid, il y a le nid. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Il croit 6! Ok, pas du tout, vu qu'il est trop rapide. Ok, Loni, Loni! Oh! Ouh, Loni, gars! Oula, pardon. Désolé. Ok. En tout cas, on remercie Loni de ce petit flash save, excellent. Ah, ok, donc il est toujours derrière moi, ça fait plaisir. Ok, là, l'horloge fait mini-rotation. Donc, YOLO. Je me suis dit, tu vois, il va faire ça. Du coup, je vais attendre un peu, je vais pas sauter direct. Et finalement, j'aurais peut-être dû sauter direct, tu vois. Parce que là, du coup, je me fais P2. Je me fais P2. En tout cas, Nekos doit être apprécié par le gameplay. Hein, donc, bah, GG à lui. Gaara, par contre, tu sais, il s'est fait accrocher deux fois en début de game et là, on le voit plus. Tu vois, donc, il joue bien, il joue assez bien. Et Loni qui... qui est en train de mettre des brains au-dessus. Le nul. Vous me bannez Iliana, Iliana, j'enlève Modo et vous me la bannez les gars, s'il vous plaît. Ok, Loni qui a tenté le petit 3-6, malheureusement ça a foiré, hein, il s'est pris le coup. Neko qui arrive. Putain, Neko qui arrive les gars. Viens nous sauver pour le bien des, pour le bien du live. Vas-y. Oh là là, Neko, on fait oui avec la tête, frère, on fait oui. En plus j'ai confidentiel qui est activé, donc même si le spectre il veut tunnel, il n'y arrivera pas. En fait il tunnelera pas parce que il a accroché l'Oni. Par contre Gaara il régale, hein, il fait tous les gènes pendant qu'on se fait enculer. Il régale en vrai. Hein. GG à Fangmin. On va sauver Loni dans la cave. Ok, GG à Gaara. Pour le gène. Ah ok, donc le Gaara s'est fait trouver. Ok, Loni qui va peut-être avoir la chance. Il s'est décroché, GG à Loni. On va peut-être avoir le temps de protéger Gaara du désert. Ok. Y'a pas de grande terreur? D'accord. Donc il a une protection de rayon de terreur, enfin, pas qu'on le voie. Et on fait pas oui-oui. Bah moi j'aurais plutôt dit Feld Up, mais après c'est selon si tu commandes chez Amazon ou chez Uber Eats. Oh non, Neko il va mourir. Tu comprends là, Loni, là ce qu'on fait c'est horrible, genre on laisse Neko crever sans arrêt genre. Neko, on peut peut-être encore le sauver, tu vois. C'est pas fini pour lui. C'est fini pour lui, on se casse. Gaara qui continue les gènes, hein. Gaara qui... Ah, heureusement qu'il est là, je peux te dire. Parce que sinon, on serait bien dans la chiasse. Oh, je suis une merde. Je suis désolé, Gaara, je suis vraiment désolé. Bah, je suis désolé à moi, en fait. À moi-même, en fait. Le bâtard. Il joue très bien son spectre, hein. Il est très fort. Hein. Il est très très fort. C'est fini pour moi, c'est ciao. On peut dire que c'est ciao pour lui. Ouais. Hop, j'ai beau faire les petits tests d'habilité, hein, ça sert à rien. Vu qu'il y a un crochet juste ici, le méga me prendre, c'est fini pour moi la game. C'est ciao les frères, c'est ciao. Du coup, pour le moment, on part sur une égalité. Donc, j'ai oublié d'être égalité. On va dire que si les deux sortent, c'est victoire. C'est quoi, on va essayer. Tout le nul. Ok, donc vous me bannez Loni également. Donc, Magic Pepu et Loni, ça dégage. Non, Iliana et Loni, ça dégage, je veux dire. Donc, Magic Pepu, je te laisse t'en charger. Donc, on a eu le petit glyphe, voilà. On va spectate... Wesh. Ah, c'est horrible. Look. Ah ouais, il a les deux compétences. Allez, trois compétences de Resident Evil, putain. Ça va être un putain de fan, lui. Ah, lui qui se fait poursuivre par le tueur, ok. On va apprendre des meilleurs. Hein. Ok, il y a toujours le spectre, le spectre Rodana. Ok, lui qui va casier. Ok, ça sert à rien parce qu'il s'est fait choper. En fait, il s'est fait choper, voilà.
Là, le Nick il va passer P2 du coup, hein. Dommage pour lui. Et on a Gaara du désert qui est toujours sur le gène. Il a bientôt, pas du tout bientôt fini, mais il avance, il avance. Est-ce qu'il va essayer de sauver l'Oni? Je pense pas. Je pense qu'on va serait se mettre en péril. Oh putain, mais c'est fini pour lui. Donc défaite les gars, je pense du coup. Je pense que c'est défaite parce que Gaara se fait enculer. Oh, il a lancé la grenade, la grenade. La grenade qui a peut-être fonctionné. Clairement pas, le spectre est clairement derrière lui. C'est clairement fini pour Gaara. Oh, il a tapé oh putain, excellent. Ok. C'est peut-être pas fini en fait, c'est peut-être que le début finalement. Ouais, non, clairement pas. Le spectre va sur notre petit Gaara. Oh non, il va sur l'Oni, sérieux. Quel connard. Ah ouais, mais quelle salope. Il aurait pu aller sur Gaara, tu vois, mais non, le mec s'est dit, ah ben l'Oni c'est mieux, tu vois. C'est mieux de tunnel finalement. Gaara, il a les cheveux rouges, non? Bah non. Ah ok, d'accord, je viens de comprendre. Vous me bannez Lyanna, hein, c'est bien ce que je pensais, hein. Lyanna n'est donc pas drôle, hein. Ok, le mec s'est fait zap. Enfin, c'est pas fait zap, mais vous avez compris. Parle français avant de parler. Ouais, il faut que j'aille prendre une douche, moi ça sent vraiment le chacalito. Ah, ok, donc... Vraiment, Lyanna n'aime pas trop les critiques, hein, elle aime pas trop... Donc qu'on la clash finalement. Putain. Putain, Gaara, il a pas de chance, il arrive pas à trouver la trappe. Donc là, il a joué safe, hein, il se cache et tout. Par contre, Frisson, c'est aussi bien que ça, parce que je vois beaucoup de gens qui la jouent. Ouais, non, il abuse, frère. Le mec va savoir où il est. Oh, le spectre il est là, putain. Bah c'est fini pour lui, hein. Bon, bah en tout cas, bien joué à lui. Il s'est raccroché juste ici. C'est la 4 kills pour le spectre. Bon, GG en vrai, hein. GG. Je reviens des BD après. Si tu veux. Frisson, c'est mieux que le cœur. Que le cœur rouge. Ouais, parce que apparemment, genre, ça augmente selon s'il est près de toi ou pas le tueur. Donc, ouais, peut-être. Bon. On a eu plus 1, ça va. La game n'a pas servi à rien. GG Nekos Byte. GG à vous. En vrai, le spectre a été bon. Il a été vraiment bon. Il a bien joué son tueur. Il était un peu éclaté en même temps. Bon. Du coup les gars, c'est la fin du live. Finalement c'est la fin du live, donc GG à vous d'être resté jusqu'au bout les frères. GG à vous, vous méritez rien du tout. Rien. Ah du coup l'Oni a quitté, ok carrément. En tout cas merci d'être resté les gars, le live fut très sympa, un petit live sur DBD. Pour commencer finalement la semaine. Demain mardi, c'est Minecraft normalement. Donc j'espère en tout cas que Cyprien sera dispo pour Minecraft. Mais normalement du coup c'est Minecraft. Du coup à demain Lyanna, à demain l'Oni. Parle français, je te dis. Dis-lui, beat my... Ouais non, c'est vraiment très peu orthodoxe lui. Du coup les gars, à demain. Demain épisode de Minecraft, en tout cas j'espère. Et sinon, bah on verra ce qu'on fait. On verra ce qu'on fait pas également, il y a peut-être avoir pas de live également. Bon du coup les frères, à plus, et non pas à moins. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais gros, t'inquiète. Ok. T'es posé sur le live. Tu te demandes c'est qui j'ai mis? Bien sûr c'est moi, c'est Speed.
Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros, t'inquiète.